Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur Buddycraft, sur le serveur multijoueur avec les acolytes. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvel état des lieux, nouveau world tour. Alors les amis, là je suis chez Dragon Alpha. Voilà, la maison très belle derrière, c'est chez Dragon Alpha. Et je ne suis pas là pour vous montrer sa maison. Vraiment, allez regarder sur la chaîne de Lydid. Lydid il a fait sa vidéo là récemment, où il a montré sa base ainsi que celle de Dragon Alpha. Alors pourquoi je suis ici? Regardez, je vais prendre le portail du Nether pour me téléporter vers chez moi et vous montrer tout ce que j'ai fait. J'ai pas de stuff sur moi, c'est tout à fait normal, je suis tellement content, je vais tout vous montrer. Juste pourquoi je suis allé ici, tout simplement parce qu'en fait, il y a un villageois chez Lydid, Lydid qui est un petit peu plus loin, qui échange des bouquins mending. Bon bah j'ai pas réussi mes échanges parce que je sais pas, il a l'air cassé. Donc Dragon Alpha elle va revenir plus tard pour essayer de réparer le problème. Donc voili voilou, donc là on va emprunter le chemin du Nether sans stuff. C'est un petit peu dangereux mais vous inquiétez pas, c'est sécurisé. Et on va rentrer tout simplement à la base. Et je suis tellement content d'ailleurs de ce chemin du Nether, même s'il n'est pas fini. Donc merci à tous ceux qui ont contribué à ce portail. Je sais que Roros en a fait partie et je suis désolé parce que j'oublie les autres. Parce que je sais pas vraiment qui a contribué à ce chemin. Mais c'est vrai que c'est ultra rapide quoi. C'est à dire que vraiment c'est plus de 1000 blocs dans la vraie vie. Et regardez, hop là on est chez moi. On est déjà arrivé, c'est juste un vrai bonheur. En tout cas voilà, bienvenue pour cette vidéo. Merci pour vos retours sur la dernière. Voilà, je suis tellement content de ce serveur. Je suis tellement content de la hype. Je suis tellement content, il y a My Godness qui nous a rejoint les gars. My Godness, vous savez c'est qui? My Godness s'il vous plaît. My Godness c'est le créateur de Grand Utopia sur Euro Truck, hein. D'accord? Allez, voilà ça c'est dit. Et on a aussi des amis très très proches AKFKFKO et Lydid qui nous ont rejoint. Donc voilà, après on va pas non plus accueillir 36 000 personnes. On va s'en arrêter là mais en tout cas voilà. Donc là on est au spawn, vous savez le spawn qui n'a pas bougé. Il y a toujours, oui il y a toujours ce truc de merde et cette maison pourrie aussi. Ça c'est moi qui ai fait hein, les gars. Maintenant on va s'attaquer au meilleur. Donc regardez déjà les nouveautés. Il y a un chemin qui a été créé. Bon bah ça c'est Firestorm qui a fait un petit chemin tout sympathique. On ira voir Anaïs, je crois qu'elle a commencé à construire. J'y suis encore jamais allé, je suis désolé Anaïs. On a Aurélien ici qui faisait un hôtel hein. Mais là maintenant c'est devenu une forteresse, on va découvrir ça juste après. Mais d'abord on va s'attaquer à moi les gars parce que je suis tellement content. Il s'est passé plein de choses. Je me suis fait troll par KevKevko. On va se venger, on se vengera ultérieurement. Alors j'ai fait des petites barrières autour de ma maison pour me protéger parce que j'ai eu quelques petites péripéties de type creeper. J'ai énormément éclairé la zone avec beaucoup de lanternes aussi parce que vraiment voilà, ça m'a pris la tête. Regardez, ça ne ressemble déjà plus à la précédente vidéo, c'était vierge, il n'y avait rien, hein, on est d'accord. Donc regardez, je vous montre un petit peu, il faut rentrer par là. Hop, je me suis fait un petit campement, un petit feu de bois ici pour ceux qui aiment bien passer des soirées chill. Est-ce que ça va rester? Je ne sais pas, mais j'aime bien parce que ça camoufle la maison entre guillemets et moi j'aime bien. Vous savez, j'aime bien. Donc je sais pas. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Ici j'ai fait un petit jardin aussi. Hein. J'ai fait un petit jardin. Il faut savoir que Firestorm il en a un gigantesque là-bas, mais je me suis dit je vais en faire un juste à côté de chez moi. C'est vraiment pratique, surtout que je farme à fond la canne à sucre et comme Halloween va arriver, eh bien je farme à fond les citrouilles. Voilà, bah oui les citrouilles pour Halloween. Vous savez très bien que Mkolo, le rigolo, va passer par là, il va faire des petits pranks. Toi-même, tu sais. Donc bon, à un moment donné, il faut se donner les moyens de faire des pranks. Donc voilà, champ de patates, champ de carottes, champ de blé. Non, il n'y a pas de carottes. Il n'y a pas de carottes parce que je m'en fiche. Mais non, mais je voulais planter des carottes. Ah bah, j'ai oublié. Il faudra que je fasse planter des carottes pour les cochons qui sont chez Firestorm. Ici, petit élevage. Ça, il faudra que je rebouche. Petit élevage, deux moutons, deux vaches et deux poupoules. On a les poupoules qui sont juste ici, c'est mignon, voilà. Donc c'est un petit peu le sbeul par ici, mais on verra si je changerai. En fait, comme je farme beaucoup les moutons pour les lits, d'ailleurs maintenant c'est fini. Alors pourquoi les lits? Parce que dans le Nether, pour miner, c'est juste parfait. Et justement, regardez ici, et bah les gars... Alors déjà regardez ma maison, chez Mkolo là j'ai fait une petite boîte aux lettres. Regardez ma maison, je l'ai un petit peu changé. J'ai un petit peu changé, alors là j'avais fait une grande table. Finalement j'en ai fait une petite ici parce que ça me saoulait. Le petit composteur pour la bonne mille. Ici tout ce qui est bouffe, je pense qu'on est vraiment pas mal. Ici évidemment les fours, la cuisine. Je vous montrerai, je vais vous montrer en bas tout de suite parce qu'en fin de compte il y avait beaucoup de choses qui ont changé. Et puis en fait ça a rechangé, c'est à dire que là j'avais un champ de patates à la base. Et donc du coup maintenant j'ai fait un champ de Netherwart. Je remercie Roros parce que j'ai toujours pas trouvé de forteresse. Donc c'est Roros qui m'a apporté quelques Netherwart. Donc voilà, merci à toi, mais il faudra que j'aille dans une forteresse très bientôt. Mais voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Là du coup j'ai transformé ça uniquement en usine à canne à sucre. Puisque du coup vous l'aurez compris, je farm
pour les livres Mending, le villageois demande des papiers, hein, voilà, comme ça vous le savez. Et maintenant, regardez, boum, là je suis trop content parce qu'en fait, Kefkefko m'a trollé. Vous l'avez vu sur ma dernière vidéo, vous l'avez vu sur ses lives. Je vais me venger, bien sûr, mais il m'a fait prendre conscience que mes coffres étaient mal rangés et il m'a donné un coup de pied au cul. Et du coup, j'ai décidé de tout ranger comme il faut. Et dites-moi ce que vous en pensez, ça n'a plus rien à voir. Ici, déjà, j'ai mis les coffres. En fait, là, je me suis inspiré de Dragon Alpha parce que Dragon Alpha, elle met ses coffres comme ça. Voilà. Donc là, ici, j'ai mis tous les minerais et je les ai rangés comme il se doit. Franchement, on est pas mal là. Là, on a tout ce qui concerne la redstone. Ça, c'est un coffre supplémentaire si jamais je suis trop riche, hein. Là, c'est tout ce qui est le bois. Et donc, le bambou, pour moi, c'est les sticks, donc le coffre audio, c'est les sticks. Ici, c'est tout ce qui est stuff. Regardez ma petite efficiency 2. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, attendez, mon petit épée. Eh, la grosse épée d'Emcolo. Tranchant 4, aura du feu, et en netherite. Oui, parce que j'avais oublié de préciser un truc. C'est que oui, pourquoi j'ai pas mon stuff? Il est en full netherite, mon pote, et je l'ai pas parce qu'en fait, j'ai pas envie de péter mon casque P3. Là j'ai un P3, là j'ai un P4 et là j'ai un P2. J'ai pas envie de casser, donc j'ai envie d'avoir un casque. Enfin, j'ai envie d'enchanter ça mending. Vous voyez ce que je veux dire? Raccommodage. Et donc c'est pour ça que je l'emmène pas pour le moment et que je le préserve en sécurité. Hein, hein, vous l'aurez compris. Ma petite chambre juste ici. Hop, tranquillou. Ici tout ce qui va être enchantement. Donc là regardez, j'ai mon efficiency 3, protection 2. Non, j'ai des trucs de ouf. Voilà, puissance 3, frappe 2. Voilà, ici c'est que je fais un petit enchantement. Il y a une table d'enchant niveau 30 chez Firestorm. On va aller faire un petit tour. Enfin, chez Firestorm, ça n'a pas changé en fait. Hein. Bref, revenons à nos moutons. Donc là, notre stuff, canne à pêche. Ah oui, regardez, canne à pêche. Solidité 3, raccommodage, chance de la mer. Alors pour le moment, j'ai eu encore aucune chance avec. Mais merci Dragon Alpha. Parce qu'en fait, elle a pêché et elle a eu cette canne à pêche, je crois. Chance de la mer? Non, non, c'est moi qui l'ai enchantée. En fait, elle avait une canne à pêche raccommodage, donc je l'ai pris, elle me l'a donnée. Et j'ai fait des enchantes avec des bouquins et je suis tombé sur chance de la mer. Oh, j'étais trop content, j'ai tout misé dessus. Hein. Mais bon, pour le moment, j'ai encore rien pêché. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu pêches, en fait, voilà, ta canne à pêche ne peut pas casser. Et ça, c'est génial. Ici, c'est que des boules de neige. Hein. Là, c'est tout ce qui est loot. Donc les loot gentils, les loot un peu déco et puis les loot méchants. Voilà, tout simplement. Kefkefko pourrait trouver ça pas rangé, mais moi je m'en sors, c'est l'essentiel. Ici c'est tout ce qui est terre et végétal et plantation, donc voilà, je pense que c'est assez clair. Là par contre c'est un peu le bazar, là c'est complètement le bazar. Là c'est tout ce qui est cobble, tout ce qui est un peu bordélique, hein, voilà. Et là c'est tout ce qui est nether, donc là le quartz, la glowstone, alors la roche noire, enfin la pierre des abîmes c'est pas dans le nether. Mais je pensais que c'était dans le nether parce que c'était écrit abîme. Du coup je m'en fous, je le mets quand même. Et là c'est tout ce qui est netherrack, voilà, c'est bien rangé quand même. C'est quand même bien rangé. Je suis assez content. Je ne suis pas peu fier. Je vais juste mettre l'émeraude ici en sécurité. Et le papier aussi. Ma petite pioche, regardez. La mineure. Fortune 3. Raccommodage. Efficacité 4. Et évidemment en netherite. Je suis full netherite. Je suis trop content. C'est une des premières pour moi. Hein, parce que vraiment, rappelez-vous à l'époque de Madventure 2.0. La netherite existait déjà. Je m'en suis jamais intéressé. Hein, je trouvais ça nul. Ah bah aujourd'hui je suis full netherite et je suis trop content. Voilà, je suis trop content. Qu'est-ce que je peux vous montrer juste encore chez moi rapidement à l'intérieur? J'ai fait un accès à une mine. C'est là que je fais du minage au petit. Alors ça fait longtemps que j'ai plus miné, hein, mais voilà, tout simplement. Puisque j'ai beaucoup de diams. Quand même, avec ma petite fortune, fortune 3, ça passe crème. Hein. Ça passe crème, mon pote. En tout cas, voilà, je suis trop content. Au niveau de ma base, maintenant, je vais un petit peu vous montrer le reste. Dragon Alpha, elle est super mignonne parce que elle s'est pas encore connectée sur le serveur exprès pour me laisser tourner ma vidéo. Et ça, c'est très gentil parce que, déjà, on est très nombreux sur le serveur, donc n'importe qui peut rejoindre. Et puis, il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, je suis pas exclusif. Mais merci à elle, c'est très gentil. Donc voilà. Vous me dites hein, si vous pensez que je laisse ou pas. En tout cas, moi, j'aime bien. Je suis content. J'ai fait ça moi-même. Sans regarder sur internet. Donc c'est peut-être pour ça que vous trouvez ça moche. Mais en tout cas voilà, moi j'aime bien. Donc voilà, on va aller voir un petit peu par ici. De toute façon il y a toute la canne à sucre à récupérer. Moi voilà, je suis désolé, je suis en vidéo, mais je farm en même temps, hein. Je ne perds pas mon temps, je n'ai pas le time. Il me faut de la canne à sucre, il me faut des livres mending. Et voilà, vraiment aller regarder la base de Lighted et Dragon Alpha sur la chaîne justement de Lighted, que je mettrai en description, c'est juste insane. Kefkefko aussi, hein, franchement, il a fait des trucs vraiment pas mal. J'y suis pas encore allé en vrai, hein. J'irai une fois. Et à ce moment là je pense que je le ferai en vidéo, parce que vraiment lui il est à l'autre bout du monde, hein. Il est à l'autre bout du monde, hein, je vous le dis, hein. Oh, bah attendez, qu'est-ce que c'est de sorcellerie? Attendez, on va juste dormir à la belle étoile. Ah oui, t'es pas ouf toi. Ah, il disparaît. Il fait nuit, donc il se transforme. Mais oui, je suis bête. Il m'a fait peur quand même, hein. Bon, hop, tac, bam, bam, boum. Ça, c'est bon, ça, c'est fait. Ensuite, donc la base de Firestorm, elle est très jolie. Bah, elle a pas bougé, je crois, depuis la dernière vidéo. Là, il met des coffres à disposition, mais il n'y a rien, voilà.
Donc sa table d'enchant niveau 30 juste ici qui m'a beaucoup servi, son portail du Nether juste là qui est magnifique, enfin qui est magnifique, il est grand et ça mène à toutes les galeries souterraines, enfin du coup pour miner la Netherite. Là je pense qu'il veut faire un métro, hein. Très sincèrement j'ai cru comprendre qu'il voulait faire un métro, mais ça fait un petit moment qu'il est parvenu, ça y est monsieur est geek sur Genshin Impact parce que c'est les jours où il y a des récompenses. donc voilà, on va aller voir les autres parce qu'il y a beaucoup de choses aussi, alors attendez on va passer par derrière. On va passer par derrière les amis pour la simple et bonne raison que je crois que je vous ai jamais montré ces champs. À la base c'était ici que j'allais, hein, pour tout ce qui était plantation, pour tout ce qui était vache, cochon, poule et mouton. Regardez c'est juste ici. Et en fait du coup je lui en ai volé, voilà, je lui en ai volé et puis je pense qu'il m'en veut pas parce que vous voyez toutes ces poules, c'est grâce à moi qu'elles sont là. Parce qu'avant il y en avait que 3, voilà sachez-le. Donc faut pas non plus exagérer. Allez on va passer par derrière, je vais vous montrer un petit peu les nouvelles constructions et c'est vraiment juste génial. Ici regardez la nouvelle maison, il me semble si je dis pas de bêtises que cette maison appartient... J'ai cru voir... Ah non mais c'était une poulpe, j'avais cru voir quelqu'un, je me disais bien. Il me semble que ça c'est Adrien. Il me semble que c'est la maison d'Adrien. Franchement, je suis juste un crack si c'est ça. C'est chez Adrien, en effet. Je vais découvrir en même temps que vous, les amis. Pour la simple et bonne raison que je suis pas encore rentré. Voilà, c'était ça, sa base temporaire. Ah oui, d'accord, il en a fait une usine à poules. Enfin, ouais. Alors, voyons voir un petit peu l'extérieur. C'est très joli. Moi, je vais juste piquer la canne à sucre. Je pense qu'ils m'en voudront pas. Hein. Vous êtes sur mon serveur. Hein. Allez, on récupère. Non, j'en ai besoin. J'en ai besoin de ouf. Enfin, j'en ai pas plus besoin qu'un autre, hein, mais voilà, moi j'aimerais bien. Très joli en tout cas, vu d'extérieur. J'aime beaucoup les feuilles ici. Voyons voir maintenant, on va rentrer à l'intérieur. Si je trouve l'entrée. Enfin, l'entrée, du coup, elle est là. Bienvenue chez Adrien San. Bonjour. Oh, d'accord. Mais attendez, c'est même dans la même idée que chez Dragon Alpha, presque. Enfin, genre, il a un premier étage, enfin, un rez-de-chaussée à découvert. D'accord, plein de graines. D'accord, ok, super. Voyons voir. Ok, ah, il fait... Oh. Wouah ! Oh mais c'est du génie ça. Alors ça c'est du génie, bravo Adrien. J'ai jamais pensé à faire des chaises comme ça. Enfin c'est vraiment des petites chaises hein, du coup. C'est des chaises pour Anaïs. Ça va, je rigole. Oh, calmez-vous. Mais en tout cas voilà, c'est rigolo. J'aime beaucoup. Ça c'est un sgeg. Très bien, le petit lit, les coffres. Très bien, il y a des blocs d'herbe. De la canne à sucre, je prends. Non je rigole. Oh mince, il y en avait 52, attendez. Non attendez, je vais quand même lui rendre... Voilà. J'ai quand même pas volé. Je ne suis pas... Ah ouais, il a fait des petits tonneaux. Est-ce qu'il s'en sort avec ses rangements? Bah après, il a pas grand-chose, je crois. Il fait que du build, hein, visiblement. Pour le moment, en tout cas. Ok, très bien. Bah, c'est plutôt sympa. Je préfère ma petite maison. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire à chaque fois ce que vous pensez des constructions des autres. Après, le but du jeu, c'est que tout le monde se sente bien chez lui. Hein. Mais j'aime bien le design, par contre. J'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et puis la cheminée. La cheminée, ça c'est pas mal. Adrien qui m'a trollé d'ailleurs hein, sur le toit de ma maison, il m'avait mis plein de poules sur le toit de ma maison. Et j'ai pris une demi-heure à les trouver, voilà, sachez-le, c'était horrible. Mais grâce à lui, j'ai eu les poules du coup. Ça, alors ouais, mais attends, c'est une entrée de bateau ça? Bah, il exagère lui. Hein. Et c'est ça ce qui me plaît, c'est qu'on est sûr que personne ne cheat et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais par contre, ce qu'il a fait, jamais je le ferai. Il est carrément taré, lui c'est Aurélien. Bah oui, Aurélien en fait, au début c'était un hôtel. Mais maintenant, ça s'est transformé, les gars, en forteresse, mon pote. Ça s'est transformé en forteresse. C'est à ne rien y comprendre. Alors, on va rentrer par l'endroit principal. Hop. Produit ML, j'ai toujours. Hein. Boîte aux lettres. Ah, bah, il a fait pareil. Le petit loup, il a un nom? Non. Et moi, j'ai des name tags à la maison, d'ailleurs. Je suis trop content. Tower Hotel. Donc, l'hôtel de la tour. Ça y est, il y a un ascenseur. Wow. Oh, bah, ça monte vite, dis donc. On est déjà tout en haut? Ah, ouais. Ça allait super vite, chambre numéro 5. Oh, bah il a l'air de faire bon vivre par ici, dis donc. Oh, j'aime beaucoup. Bon, attendez, c'était pas le sujet de ma visite. Ah si, attendez, tour d'observation. Oh, attendez, on n'était pas tout en haut, je me disais bien. Oh, le mec qui veut mettre fin à ses jours, bah il peut pas sortir. Oh, regardez, on voit ma maison. Très bien. Ah, c'est sympa. Faudra qu'on aille voir chez Anaïs aussi. Parce qu'Anaïs, du coup, elle a commencé à construire. Je l'ai déjà dit en début de vidéo, je sais, je me répète, je suis un petit peu vieux. Attendez, hop, on redescend. On redescend, c'est un petit peu lent. Hop. Aïe. Comment on fait? J'arrive pas. Ah voilà, merci. Moi, ouais, j'ai paniqué. Réception de l'hôtel, très bien, bonjour. Appartement du propriétaire. Ben voilà, on a trouvé sa base. Oh, c'est... Avec un aquarium de... Mais ça va, monsieur, là, on vous dérange pas? Mais c'est ultra la classe. C'est ultra la classe. Mais il est carrément bien, mon pote. Ah ouais.
Très bien. Ah oui, il a le... Oh, il a le CD 11, comment il a fait? Oh, il est horrible ce CD, forcément. C'est le CD horreur. Ok, très bien. Ah, mais c'est ultra stylé, on se croirait vraiment dans un... Mais attendez, mais le sol en quoi? C'est un truc du Nether, mais c'est les blocs de verrues. Ah oui, alors, dit comme ça, ça donne pas envie, mais ça rend ultra joli, on dirait de la moquette. Vous voyez, oh, j'ai envie de faire pareil. Je vais utiliser des blocs du Nether pour refaire le sol de quelque chose ou un truc comme ça, et ça va être très sympa, je pense. Et là, what the fuck? Ouais, oui, d'accord. Mais là, en fait, on est dans un aéroport, on va prendre le sas de... On va prendre le sas, on va rentrer dans un Airbus, on va rien comprendre. Hein. C'est génial. Ok, d'accord. Ok. Il y a que dalle, c'est juste des... C'est censé être quoi, vous pensez? Ouais, enfin, ouais. Est-ce que c'est censé être des chambres? Est-ce que c'est censé être des trucs pour tuer les gens? Enfin, vous savez, je sais pas, on dirait un château fort, vraiment, c'est une forteresse. C'est plus un hôtel, c'est une forteresse. Eh ben, c'est très sympa en tout cas. Bon bah écoutez, on va continuer par là. Je sais plus, my goodness, il nous avait donné ses coordonnées de où il s'était installé. Attendez, est-ce que je peux vous les trouver? Je vais faire ça en direct si ça vous dérange pas. Les coordonnées, est-ce qu'il a fait une base ou pas? My goodness, moins 157, 374. Moins 157, 314. Par là-bas. Ah ok, on va aller par là-bas, apparemment my goodness. Oh putain, il y a de la canne à sucre. Attendez, je vole, hein. Je prends direct, illico presto. Ah ça c'est pour moi, merci hein. C'est gentil hein. C'est gentil d'avoir pensé à moi. On va aller voir déjà la maison d'Anaïs. Et sur le chemin il doit y avoir my goodness. On va voir parce que... Alors my goodness il est mort une fois. Et il est plus revenu depuis. Je sais pas comment il est mort, il a dû avoir le seum. Si tu passes par là en tout cas. Big up. Attends, hop. Voilà, merci en tout cas pour la canne à sucre. Je savais que sur le serveur il y avait des âmes charitables. Ok, voyons voir. Voyons voir Anaïs, puisque je vous rappelle. Ouah, elle a fait un truc. Ah, Dragonafala join. Re. Hop là. Avant, il y avait que ce ponton. Ouais, mais elle a fait un truc super stylé, Anaïs. Elle a mis des feuilles de partout. Chez Anaïs. Ah ouais, elle a fait une maison. Après, ça, c'est vraiment. Vous avez remarqué, comment ça s'appelle ça? Elle fait tout le temps ça. Et c'est génial, hein. Elle avait déjà fait ça à l'époque, je me rappelle. En tout cas sur la saison 1 de Madventure. Putain, c'est ultra stylé. C'est ultra stylé, c'est super cosy. Ça donne envie de... Ah ouais, trop bien. Ça donne envie de faire des bébés. Ah ça va, calmez-vous. Attendez, c'est génial. C'est petit par contre, c'est petit hein. Moi je préfère, moi chez moi c'est quand même plus grand. C'est un frigo ça? Ah ouais. Très bien. Je vais aller voir comment on fixe le villageois. Merde. Merci tout le monde en commentaire. Merci Dragogo. Oh, j'ai écrit comme une bite, je suis désolé. Hop, bon, maintenant voyons voir. C'est très sympa, Anaïs. Hein. GG. Voyons voir My Goodness qui doit être dans cette direction-là, si je ne m'abuse, du coup, vu les coordonnées. On va aller voir. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Moins. Ouais, il est en moins 300. Non, attendez, je regarde de nouveau. On y arrive. Hein. Ah non, c'est moins 157, 300. Moins 157, ah oui. Moins, attendez. 374. Non, il est carrément à l'opposé en fait. Il est plus vers chez moi. Eh mais attendez. Quoi? Quoi? Attendez, là elle est en train de me dire que le PNJ a disparu. Mais il était... Attendez, mais what? Il est plus dans un aquarium. Ah! Je croyais le villageois. Ah, ça va. Ouais, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle parlait du villageois. Ah bah du coup je m'en fous de son poisson, j'en ai rien à péter moi de ton poisson. Envie de caniculer, je suis mort. Alors attendez, c'est bon j'ai compris, moins on est bon et il faut aller. Mais attendez, mais moins 157, 300. Et bah voilà, on va y arriver, vous voyez toutes ces torches. Voilà, toutes ces torches. Et ben, je crois que ça va mener chez... Je suis nul, je sais toujours pas lire les coordonnées. Moins 157, 300, c'est bon ça va être là les gars. Par contre, faudrait qu'on puisse dormir. Alors voyons voir, est-ce qu'il a fait quelque chose ou c'est juste une muraille? Voyons voir. Oula. Oh, what the fuck? Ah oui, non, d'accord. Ah oui, non. Ah oui, d'accord, il a vraiment pas le temps, d'accord. Ah oui, moi je pensais pas que le peu de fois qu'il était là... Mais en plus, il est juste à côté de chez nous, c'est génial. Mais c'est super, mais attends, mais c'est trop cool. Bah alors, ils sont tous dans un délire un peu forteresse, hein. Ils sont tous dans un délire forteresse. Bon bah si c'est ce que ça vous inspire, tant mieux, tu vois, c'est évidemment.
Mais c'est génial. C'est génial. Bon, là, Victor, il passerait par là, il dirait, putain, mais c'est que de la cobble, parce que déjà, moi, je fais de la cobble. Ah non, c'est Kefko. C'est Kefko, pardon, qui aime pas la cobble. Très bien. Ah, c'est ultra cool. Bah voilà, my goodness. C'est génial. Bah voilà, du coup, je pense qu'on aura... on a fait le tour. Alors, il y a d'autres personnes, par exemple, Roros. C'est vrai, Roros, il est installé où, les gars? Roros, il est installé où? Attendez, il a mis ses coordonnées. Attendez, je regarde juste. Hein. Roros, il a mis... moins 725, moins 387. Ah oui, il est un peu plus loin. Il est un peu plus loin, les amis. Bon, écoutez, on fera un world tour ultérieurement. On va s'en arrêter là. Hop là. Pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous aimez bien, du coup, ce genre de vidéo un peu récap des avancées. Je pense très sincèrement que c'est quand même mieux. Même pour moi, c'est plus fun. Et puis, du coup, je suis content de vous montrer les avancées plutôt que les faire en vidéo où tu me vois galérer en train de réfléchir. En plus, il faut que j'anime la vidéo. Enfin, c'est compliqué, quoi. Hein. C'est tard l'époque. C'est voilà. Donc, j'espère vraiment que vous kiffez. Si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas le pouce bleu. Et puis, moi, je vous retrouve pour deux prochaines vidéos, bien évidemment. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. Et attendez, elle est où ma maison? Elle est là-bas. C'est bon, j'ai eu peur. Non, attendez, moi je vais rentrer chez moi quand même. Voilà. C'était Mkolo, plein de bisous. À très vite. Ciao tout le monde.